Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mario & Luigi Superstar Saga version 3DS. On se retrouve à Little Toad et on continue notre visite comme prévu. Alors, avez-vous pris l'ascenseur pour venir ici? Il a été construit il y a très longtemps par la civilisation Fermienne. Bah, c'est les mecs de chez Huf là. Ah oui, ça c'est bon ça. Ça, si c'est un magasin de vente de badges et tout ça. Si vous cherchez des objets du royaume champignon, j'ai ce qu'il vous faut. Alors, montre-nous ta quad beau. Ouh, petite défense à plus 25 pour Mario, mais baisse des PV de 10. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça se mate. Pour Luigi, t'as quoi, frère? Pour Luigi, pareil, hein, c'est baisse des PV de quand même de 15. Hein, ça, c'est pas terrible. Là, on a le badge muscle qui augmente la puissance de 11, mais bon. Ouais, c'est pas ouf, hein. Je m'attendais à du lourd avec ta devanture, tout ça, là. L'intérieur de ton magasin, c'est joli, mais t'as pas grand-chose à nous proposer, ma gueule. Alors, il y a plusieurs passages qui s'offrent à nous. On va utiliser celui-là. Oula, lui, il est pas content, lui. Champignon, champignon, champignon d'invincibilité. C'est le champignon d'invincibilité hybride de champignon up et dans l'étoile royaume, j'en reviens. Jouez, obtenez champignon d'invincibilité. Pour plus d'informations, entrez dans le bâtiment. Ah ouais, c'est un rabatteur, lui. N'écoutez jamais les rabatteurs. Ne me parle pas, je suis hyper concentré, là. Vas-y, là. Je vois rien. Alors, petite salle d'arcade, moi je veux jouer, moi. Bienvenue, voulez-vous jouer? Si vous obtenez un bon pointage à nos jeux, je pourrais vous donner un champignon d'invincibilité? J'en veux un, moi. Frère, il y a une borne libre. Faire une partie. Oui, c'est quoi le jeu? Il consiste en quoi? Bim. Alors, je donne des primes formidables à ceux qui font un bon pointage. Le pointage doit être d'au moins 200 points. Appuie sur Start pour mettre le mini-jeu en pause. Bon courage. C'est quoi le jeu, en fait? Ah, ok, d'accord. Ah, ok. Ah, ouais, d'accord, je fais que de la merde, d'accord. Oh, ça va, je me débrouille. Hein. Enfin, je me débrouille. Ça reste lamentable, mais bon. Ah, puis en plus, je fais tomber la... l'étoile, quoi. Oh, mais je fais n'importe quoi, là. Oh là 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 là, la tristesse! Ah, je suis à... Ah ouais, ça va, j'ai du temps en fait, j'avais pas vu, putain! Mais merde! Ah, on a 200 là, on a 200! On est bon là. On est très bon là, ça glisse comme dans du beurre. Hop là. Hop là. Hop là frérot, 253. Ah mais attends, 340 et plus, on a... Oh attends. On a un vrai bail là à 340, on va le refaire. Oh, quel joli pointage. Tenez, c'est pour vous. Vous avez obtenu un champignon d'invincibilité. Attends, pourquoi tu me donnes ça là? Oh, quel bon appétit. Oula, ça avait pas l'air d'être un champignon d'invincibilité, ça. Oh non! Oh non! Mario! Comment va-t-il? Son visage est étrangement vert. Il s'agit d'une févrite, un virus redoutable. Les touristes peu habitués à la nourriture de ce pays sont exposés à ce virus. Est-ce grave, docteur? Un médicament existe bien, mais nous n'en avons plus aucun. Si on ne fait rien avant 3 jours, il se transformera en... fève. Oh là là. Que pouvons-nous faire? C'est assez dangereux, mais à l'ouest de cette ville se trouvent les ruines Mara. On dit qu'au fond des ruines Mara pousse une herbe capable de soigner la févrite. Elle s'appelle l'herbe clapico. Luigi, pourrais-tu aller aux ruines Mara? Ah, pour une fois, il dit pas non. Selon un récent rapport... Attendez, je vous explique, voilà. De terrifiants monstres comme celui-ci se sont installés dans les ruines Mara. On raconte que les personnes attaquées par ces monstres ont tué les os broyés, hachés, comme de la chair à pâté. Effrayant, n'est-ce pas? Oui, enfin, c'est ce qu'on dit. Ah ouais, d'accord, là, il a peur.
Oh, c'est effrayant. Mais pas pour Luigi. C'est pas ça qui va l'arrêter. N'est-ce pas, Luigi? Tout va bien se passer, hein. C'est pour sauver Mario. Il s'en fout. Tu vas y aller, non? Il est pas très confiant. C'est ça, l'amour fraternel. Ta volonté te permet de surmonter cette peur qui te paralyse. Tu es notre dernier espoir. Tous nos voeux t'accompagnent. Puisses-tu revenir rapidement? Oh non! Et ça veut dire là... On va faire l'aventure sans Mario? Oh non! Je peux même pas sauter! Oh non! Qu'est-ce qui se passe là? Il en rassera le pauvre là! Je peux même pas sauvegarder, rien du tout! Je suis en flip total! Oh non Mario, putain on a même pas eu le temps de finir notre visite. Oh non, j'ai peur ma main. Bonjour monsieur. Fais attention à la nourriture que tu manges pendant ton voyage. Si tu manges quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, tu risques de tomber malade. Mais une personne sensible comme moi tombe malade même si la nourriture est celle de tous les jours. On s'en fout. On se chie dessus nous. Oh, je peux même pas monter en plus, comment on fait? C'est quoi cette merde? On peut même pas me remonter là, comment on fait là? Je suis bloqué frère. Il veut pas sauter cet enfoiré. Regardez, il m'a bloqué. Là je suis bloqué. À moins que j'aille dans cette petite maison non? Le docteur Gary Todd est devenu obsédé par sa nouvelle fantaisie. L'hypnose. Chaque jour, il entraîne quelqu'un. Il s'entraîne à hypnotiser quelqu'un. Ah, bah tiens, bah, je pense savoir ce qu'on va faire. Là, on va devenir surpuissant. Vous vous intéressez à mes talents d'hypnose, sans aucun doute. Mais pourquoi avez-vous l'air horrifié? Vous ne le savez pas. Respirez profondément. Avez-vous inspiré? Oui, expirez maintenant. Vous vous sentez plus détendu. Bien plus entendu que vous l'êtes. Êtes-vous habillé presque exactement comme Mario? C'est l'évidence même. Êtes-vous un fan du célèbre Mario? Très certainement. Puis-je vous aider en vous faisant devenir Mario? Bien sûr que je le peux. Maintenant, fermez les yeux. Croyez-vous être le seul et unique Mario? Oui, vous le croyez. Qui est l'homme à la casquette rouge et le moustache noire? C'est vous! Qui écrase les méchants avec la grâce d'un acrobate? C'est vous! Qui est le super-héros du royaume champignon? C'est vous! Vous sentez-vous l'âme d'un Mario? Bien sûr que oui! Devenez-vous Mario? Oui. Commencez-vous à être Mario? Oui. Êtes-vous de plus en plus Mario? Bien plus. Êtes-vous devenu Mario, évidemment. Êtes-vous vraiment Mario? Très certainement. Ah! Pshou. Est-ce que vos yeux devraient encore être fermés? Non, ils devraient être ouverts. Hein? Maintenant, venez par ici. Oh là là! Votre casquette et vos vêtements ne sont-ils pas rouges? Ils le sont! Êtes-vous maintenant Mario? Oui, vous êtes Mario! Eh ouais, mon gars! Eh là, j'ai plus peur, je m'en bats les couilles. Attends, je peux pas te remercier, frère, parce que là, tu m'as mis dans le droit chemin. Là. Et en plus, tu m'as oublié un bloc là-haut, mais je peux pas le prendre. Bon, tant pis. Youpi, je suis Mario, tralalalalair. Ouais, je m'en bats les steaks. Ouais, je sauvegarde, parce que quand même, j'ai fait des progrès. Enfin, j'ai rien fait, mais... Mario, il est noir, le pauvre. Depuis quand Mario est noir? Allez, on va à l'ouest du village. Ouais, je suis Mario. Bonjour, je suis Mario. C'est un champignon énorme, vraiment immense, qui s'appelle le Pic de Toad. Mais personne ne sait pourquoi ce champignon est grand. C'est un mystère. Ouais. Salut, vous êtes là, vous, les mecs du Mont Uf, là? Cet endroit est très élevé. Il est sûrement aussi haut que le Mont Uf, non? Quelle belle vue! Ça va aller finalement le coup de traverser le désert. Mais non, mais je m'en bats les couilles, c'est bon. Je suis Mario, tra-la-la-la-l'air. Je fais que des sauts. Il est terrible! Il se cache toujours là-bas, car il sait très bien que je peux pas y aller en sautant. Allez! Oh, j'ai peur. C'est le meilleur endroit pour l'échapper. Sans cet endroit, je serai. Quoi, tu veux le frapper ou... Ouais, je suis Mario, ça va. Monsieur Luigi, vous voyez l'échelle? Quoi, vous n'êtes pas Luigi, vous êtes Mario? Vous êtes tombé sur la tête. Mais non, je suis Mario, je te dis, là. Regarde, wing, wing.
Bon, c'est comment qu'on passe par contre là? Parce que là, il n'y a plus rien. Hein. Ouais, je suis Mario. Attends, je fais des... Ah, je fais des vrais sauts quand même, regardez. Boum! Ouh! Il n'y a rien ici. C'est quoi cette merde? En plus, je dois aller à l'ouest du village. Je suis à l'ouest, là. Avant que ce soit le... Ouais, mais je peux pas monter, hein. Je peux pas prendre le tuyau jaune, là. Il est trop. Bah, il est trop. Bon. Il va falloir que je me creuse la tête encore. Ça, ça va pas être une mince affaire. Avant que ce soit le tuyau... Ah bah non, c'était peut-être le tuyau... Le tuyau là-bas, là. Est-ce que ce serait pas lui? Bah non, on peut pas monter. C'est bien ce que je me disais. Bref, je vais devoir trouver où se trouve bah, la suite. On va tenter là. Hein. Allez-vous dans la vallée Ihi? Ouais, vas-y. Hein. On va descendre, on va voir. Hein. Alors, parce que j'ai vu un truc en arrivant tout à l'heure. Bonjour, oui. Si les monstres apparaissent, nous en débarrassons. Ok. Moi j'ai vu ici là, regardez. Ascenseur pour les ruines Mara. Bah voilà, bah c'est là. Juste on se revigore, on sait jamais. Ascenseur, bzzzt. Voilà. Bon. Eh bien, j'ai bien l'impression qu'on va attaquer les ruines Mara, les amis. J'ose espérer qu'il n'y a pas de boss. Simplement des ennemis. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je fais un petit tour par-ci, par-là, parce que là, il y a une cassette, tu vois ma gueule. Ça se mange. Voilà. Il n'y avait rien d'autre. Ça va, il n'y a pas d'ennemis pour le moment. Mais ne parlons pas trop vite. Ça m'est arrivé de regretter ces paroles. Pantalon champi, c'est ça? Ce pantalon champi, ouais, ça peut être que pantalon. On peut tomber là, non? Non, c'est juste une petite cascade de sable. Mais non! Ouais. Oula, oula, la musique là, d'un coup, en mode violent là. Allez, on re-sauvegarde. On est au Mont Uff? Wesh, attends, on est au Mont Uff, wesh. Oh lolo, le Mont Uff! Qu'est-ce qu'on fout ici, là? Ah, ça, c'est marteau de malade. Et sinon, les ruines Mara sont comment? Oula! Oula là 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 là, je le sens pas, là. C'est quoi? C'est les ruines Mara, ça? Oula, je le sens pas, là. Je sens le boss. Tiens, ouvre-toi, là. Tiens, bim! 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 Qu'est-ce que ça va... Ah non, pas lui! Ah, merde! Ah, c'était un mini-jeu, d'accord. Bah, fallait me le dire, hein. Ah merde, ah bah arrête! Ah putain, tout à l'heure je les ai enchaînés du premier. Eh bah non, je veux pas toi. Allez, rentre chez ta mère, voilà. Olé! Bah c'est bon, on a compris que c'était un vieux jeu là. Vas-y, vas-y. Ah non! Putain, le con! Hop, 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 la prochaine, bim! Hop, hop, à la prochaine, bim! Qu'est-ce que j'ai invoqué là? Loulou, loulou, loulou. Ouh, loulou, loulou. On dirait le docteur Robotnik. On appuie. Ah, tout ça pour un bouton. D'accord. Super. Et donc nous sommes dans... Bah, on va le savoir en sauvegardant, vous savez. Désolé, hein, je re-sauvegarde encore. Mais au moins ça nous dit où on est. Où. On est au ruine Mara, voilà. Parfait. Et bien voilà. Allez, bon, on attaque les ruines Mara. Hein. Parce que si vous avez cru que j'allais dire que c'était la fin de la vidéo. C'est pas pour dire, on a fait on a fait zéro combat depuis le début là. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais là, on va s'en taper. Bah oui, voilà. Bon, bah écoutez, les amis, je vais vider la zone. Mais là, du coup, il faudrait pas que Luigi prenne trop de niveau. Parce que sinon, il va être très en avance par rapport à Mario. À moins que plus tard dans le jeu, ce soit une séparation entre Mario et Luigi et qu'on contrôle plus Mario. Mais j'en doute.
qu'est-ce qu'il fait là? Il va péter ou quoi lui? Kaboum! On dirait trop, il va péter le gars. Il va me chier dessus. 91, ouais ça va, c'est pas ouf. Allez, on avance. J'espère qu'elles sont pas très longues ces ruines Mara, parce que tout seul, ça va être relou quand même. Qu'est-ce que ça me fait là? Tic 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 tic, mais vous êtes marrant, mais moi, je voulais voir en bas s'il y avait un truc. Eh ben, il y avait rien. Putain, pourquoi je suis trop curieux? C'est un défaut ça. Allez, hop, hop, hop. Oh, je suis chaud si je le fais du premier coup. Oh là 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 là. Bon, ça va, en vrai, c'était pas dur. Je voulais faire genre ça l'était, mais non. Oh non! Alors. Ouh, il y a des objets là. Tac, tac, tac. Pièce de sang, j'ai cru voir, ouais. Pièce de sang. Alors, je vais vous montrer ce petit combat juste pour voir s'il y a bien des nouveaux ennemis. Non, il n'y a pas, donc je vous le montre pas en fait. On s'en bat les couilles. On prend la porte. Alors, je revérifie en bas comme je suis un gros curieux. Mais je me doute bien qu'il ne va rien y avoir, bordel. Putain. C'est juste au cas où on tombe en fait. Alors, bim, 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 bim. Vas-y ma gueule, je suis chaud. Déjà, j'ai failli tomber. Première plateforme, c'est pas bien. Hop là. Hop là. Ça va, ça glisse. Oulala, oulala. Une sauvegarde par-ci. Parce qu'on a quand même fait quelques plateformes. Ah oui, mais d'accord, ok. Sauvegarde aussi, ma gueule. Pour le moment, pas d'écart de niveau. J'ai toujours pas pris de niveau avec Luigi, donc c'est très bien. Alors, j'ai pas tout compris, là. J'ai pas tout compris. Y'a un délire, d'accord, ok. Y'a un délire, y'a un dos. Donc moi, ce que je propose de faire, c'est ça, 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 ça. Ensuite, on va abaisser, c'est le rouge. C'est pas vraiment ça que je voulais faire, en fait, du coup. Donc le bleu se baisse. Le bleu, là, se baisse. Le rouge également, non? Ah non, c'est le bleu, d'accord. C'est un bouton bleu, donc ça baisse le bleu. D'accord, ok. Il n'y a pas de bouton rouge, donc. Je comprends pas tout, moi. Parce que là, je peux pas, du coup. Ah, donc je vais devoir refaire le bouton... Non, bah d'accord. Oh là là, ça va être une galère, les amis. Je pense savoir ce qu'il faut faire, mais bon. Ouais, c'est bon. Tu lèves le vert. Le bleu s'est baissé. D'accord. Tac, voilà. Donc là, tu fais quoi? Tu fais ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Là, t'es bloqué. Tu fais quoi? Tu actives le bouton vert. Ça va baisser celui-là, mais on s'en fout puisqu'on est déjà monté. Ça va baisser surtout celui d'en haut. Voilà. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'il y a deux chemins tout de même en haut. Ouais, il y en a un là-bas, tu vois. Ah, mais de toute façon, c'est celui-là qu'on doit prendre puisqu'il n'y a qu'un bouton. Ça baisse le rouge. Qui dit baisser le rouge dit faire ça. Ah putain, c'est une galère en fait. Parce qu'après, il va falloir monter le vert maintenant. Oh, les relous. Les relous. Je fais ça. Voilà, je fais tout le chemin inverse en fait. C'est-à-dire tous les verts, ils sont bons. Et maintenant, c'est au rouge que je vais devoir monter. Oh là 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 là. Ah bah c'est bon. C'est bon. Putain, j'étais bloqué, mais en fait, non, c'était tout pété. Bref, on continue. Alors. Faites chier les ennemis là. Moi, je vous ai dit, hein, j'augmente pas trop mon Luigi. Hein. J'ai pas envie qu'il soit en avance de Mario. Quoique, en fait, c'est pas si gênant que ça, parce que j'aurai quand même un bonhomme plus cheaté, et voilà. Ça m'aidera pour les futurs combats, mais j'aime bien qu'il soit équilibré. Alors là, on a... Oh, lui, je sens qu'il va nous faire faire un jeu. Oh, Moustafu, tu es venu ici en surmontant bien des difficultés. Je suis impressionné. Il paraît qu'en ville, on raconte que je suis un horrible monstre. Pourquoi les gens répondent-ils à la fausse rumeur comme ça? Ça me rend furieux.
C'est vraiment énervant. Oh Moustafu, peux-tu m'aider à effectuer mon stress? Évacuer mon stress. Tout ce que tu as à faire, c'est esquiver les boules que je t'envoie pendant 30 secondes. Fais vous, d'accord? S'il te plaît. Peux-tu m'aider à évacuer mon stress? Oui, bien sûr. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le jeu consiste à esquiver mes tirs pendant 30 secondes. Si tu touches une flamme ou tombe de ces plateformes avant que les 30 secondes soient écoulées, et tu reviens au départ. Prêt, on y va. Allez, vas-y. On va faire ton mini-jeu à la con. Ça m'évitera de faire un jeu de boss. En fait, j'ai pas trop compris comment ça se passait. Ah d'accord, comme ça. Ok, vas-y, vas-y, balance. Olé. C'est tranquille ce jeu. À moins qu'il fasse des pièges à la fin. Ah, bien, je suis tombé. Il faut tout recommencer. Non, ça ne marche pas. Pas vu mes dents encore une fois. Ah vas-y, avec grand plaisir, mais... Moi, je savais pas comment ça marchait, tu vois. Allez, vas-y, de foirer là, maintenant. Aide-moi à évacuer mon stress. On l'a déjà fait 5 secondes. 5 secondes, il y a quasiment 10 secondes où le gars ne tire pas en plus. Donc c'est assez simple en soi. C'est juste que moi j'ai fait de la merde. Là il reste, tu vois, 15 secondes, il restait 13. Ouais, là il m'en reste 10, allez vas-y, on peut le faire. C'est pas dur, c'est pas dur. Il commence à envoyer un peu plus. 4 secondes. Oula. Oh non! Oh non, j'ai échoué sur le gong là, je suis sûr que... Oh non, putain, il devait rester une seconde, j'ai pas regardé là. Oh la merde. Et voilà, c'est réussi. Oh merde, je vais faire tuer le stress, je me sens libéré. Tiens, regarde, je me laisse pas faire, tu rentres dans la bouche de ça et voilà. Merci Moustafu, tu peux s'en aller maintenant, j'en ai fini avec toi. Salut. Oh. Oh lolo, c'est quoi ça? Ah bah c'est la plante qu'on recherche. Tu as obtenu l'herbe Capico. Allez, on se casse. Oula, me dites pas qu'il va y avoir quelqu'un qui va vouloir me rattraper. Non, le tuyau jaune, me dit pas que c'est celui que je pense qui ramène direct au village des Toad. Alors on m'avait toujours pas dit dans les commentaires si on disait, si vous dites Toad ou Toad. Moi personnellement je dis Toad hein, toujours. Hein. Ça va pas bouger. Allez, allons voir Mario. J'arrive Mario. Enfin non, c'est moi Mario. Mais j'arrive pour moi-même. Je suis Mario, rappelez-vous. Eh oui mon gars. J'arrive. Ah, qui a fait ça? Luigi, ça va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu ne te rappelles pas de ce que tu as fait? Rien ne manque à souvenir. On dit que tu allais jusqu'aux ruines Mara chercher l'herbe Clapico pour Mario. Tu as vraiment trouvé l'herbe Clapico? Attends, je regarde. Bah oui. Mais c'est vraiment l'herbe Clapico? Pour oser affronter tout seul les terribles dangers des ruines Mara, il faut un sacré courage. Luigi, tu es vraiment formidable. Tu vas devenir une légende dans cette ville. Ouais. À propos, que pouvait être ce bruit de tonnerre? Est-il arrivé quelque chose à l'ambassade? Luigi, tu devrais aller chercher Mario. Bon, du coup, je me rappelle de qui je suis. Je suis Luigi. Merde. Luigi! Peach! Quoi encore? Qu'est-ce qui s'est passé avec Peach? Oulala. Qu'est-ce qui se passe? Oh Luigi! Oulala. Bowser? Yeah! Quoi, Bowser? Non, tu te trompes des personnes. Je suis... Bowser Mona.
L'énergie de Gringamon a été injectée dans Bowser, comme la crème d'un beignet par mes soins. Non, ça veut rien dire. L'esprit de Gringamon est dans les peaux du corps de Bowser. Cette fois, je ne veux pas seulement savoir. Je veux la princesse Peach tout entière. Au secours! Oh là 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 là. Oh là 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 là, vite! Allons sauver Mario! Mario! Oh, le château était déserté! Mario! Vite Mario! Tiens, mange ça! Oh. Ah, voilà! Mario! Peach! Mamma mia! Mamma mia! On est revenu carrément ici, avec Jésus. Mario, Luigi, je vous l'avais pourtant confié, c'est une vraie catastrophe. Mon espérance de vie s'est de nouveau raccourcie. Majesté! Bowser! Non, Greg et Mona, je veux dire Bozemona, un message vient d'arriver. Regardez-moi ça. C'est une Nintendo DS. Hop là, elle s'ouvre. Et elle vous envoie ça. Vous avez cru pouvoir me tromper. Je ne transmettrai ce message qu'une seule fois. Alors écoutez bien. Si vous voulez revoir la princesse Peach intacte. Et rapportez-moi les 4 morceaux de Végétoile. Je vous contacterai quand vous les aurez réunis tous les 4. Oh! C'est ce que je redoutais. Cette fois, elle nous a eu. Nous ne pouvons rien faire. Nous réunissons les morceaux de Végétoile comme elle l'a demandé. Je sais approximativement où ces morceaux sont tombés. Oui, regardez. Un par-ci, un par-là, un par-là. Les morceaux sont tombés près de ces marques. Qui de vous, de moi, réunira tous ces fragments en premier? La chance soit avec nous dans cette nouvelle épreuve. Oh yeah. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais gagner. Bloom! C'est parti! Maître Mario et Maître Luigi, nous comptons sur vous. Suivez bien mes instructions et vous trouverez facilement le morceau de Végétoile qui est tombé dans la vallée. Je vous conseille de récupérer ce morceau en premier. Mais après, c'est vous qui voyez. L'instinct de Todd's Worlds est étonnamment affûté. Bon! Eh bien, encore une nouvelle quête s'offre à nous. Mais merde! Je pensais vraiment qu'on était presque à la fin du jeu, mais en fait pas du tout. Hein. On est très très loin, les amis. Là, on doit être même à la moitié, je dirais. Donc voilà. Bref. Eh bien, la quête de la Végétoile débutera. Des morceaux de la Végétoile débutera dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit like, tout ça, tout ça. Et à très bientôt. Allez, tchuss.